Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon ordinateur. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment importer des musiques que vous aimez sur ShareFactory PS4. Donc, il vous faudra une clé USB, un ordinateur et une PS4. Quand vous serez sur votre ordinateur, vous allez lancer Google. Sur votre barre de recherche, vous allez taper Music, comme ça. Je vous mettrai dans la description. Vous allez arriver sur cette page. Il faut taper le nom de la musique que vous souhaitez avoir. Moi, voilà, c'est un exemple, hein, j'ai pris celle-là. Vous allez, quand vous allez arriver ici, vous allez cliquer sur l'engrenage. Ça va vous emmener ici. Donc là, vous allez retaper votre musique. Donc moi je vais la retaper, hop, voilà comme ça. Voilà, vous allez faire entrer, vous allez chercher, voilà, elle est là moi. Donc moi, vous allez après aller à droite ici sur le bouton rouge, cliquer. Donc ça va vous le télécharger comme ça en bas à gauche. Attends, hop. Là vous allez bien sûr faire je ne suis pas un robot. Voilà, donc là en bas à gauche ça va vous le mettre. Voilà, moi ça me le met. Bon, ça fait 3 fois que j'ai téléchargé. Donc, après, dès que vous avez fait ça, hop, vous devez brancher votre clé USB. Donc, voilà, vous devez aller sur votre clé USB, créer un nouveau dossier. Donc, clic droit, nouveau dossier. Vous allez l'appeler comme moi, Share Factory. Donc comme moi, majuscule minuscule, vous allez double-cliquer sur le dossier. Après, vous allez encore recréer un nouveau dossier sur le dossier ShareFactory qui va s'appeler musique comme ça. Vous allez cliquer sur le dossier musique que vous avez fait. Et là, donc moi bien sûr elle est là, ma musique. Vous allez la prendre, vous allez la glisser sur le dossier sur musique ici. Une fois que ça c'est fait, on va passer sur ma PS4. Donc voilà, on est sur ma PS4. Donc une fois que vous êtes sur votre PS4, vous allez lancer Share Factory. Vous allez aller sur importer du contenu, importer de la musique. Bien sûr, maintenant vous allez brancher votre clé USB, importer depuis USB. Hop, et voilà, elle est juste ici. Donc voilà. Donc après vous allez cliquer dessus, vous allez faire carré pour importer la musique. Et voilà, elle sera dans vos musiques. Donc moi, voilà toutes les musiques que j'ai téléchargées. Donc si on l'écoute, voilà. Si on va par exemple sur une vidéo à moi, hop, mon dernier projet. Ça c'est là où j'expliquais sans mon ordinateur. Mais bon. Vous allez faire ajouter musique. Moi c'est elle. Regardez. Bon voilà quoi. Hop. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à commenter si vous avez compris, si il vous faut un tuto sur ShareFactory comment faire ça. Bah voilà, je vous répondrai. Je vous ferai une vidéo dessus. Donc voilà, allez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez compris. Sur ce, ciao tout le monde.